الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وميشاء الله سبحانه وتعالى le très haut le tout miséricordieux Maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman, de nous avoir choisi parmi les personnes donc de venir accomplir la salatul isha avec Jamaat, et parmi les personnes qui ont accompli la salatul isha, de s'asseoir quelques instants, et parmi les personnes qui sont dans la masjid, ben de se rapprocher du minbar aussi. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous a choisi aussi parmi ces personnes. Demain, inshallah, nous serons le dixième Muharram, le jour de Ashura. Que signifie Ashura? Que s'est-il passé ce jour-là? Que faut-il faire? Quelles sont les leçons à en tirer? Voici quelques questions qu'on essaiera de répondre par Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Amara Rasulullah bi sawmi yawm Ashura al-ashir min al-muharram. Ibn Abbas dit que le prophète sallam il a ordonné de jeûner le jour de Ashura et c'était le dixième du mois de Muharram. Donc Ashura veut dire le dixième. Ashura donc le dixième du jour du mois de Muharram. Maintenant le mois de Muharram, l'important de ce mois de Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala durant l'année toujours, il nous incite à faire des bonnes actions. Il met en place des saisons qui nous permettent donc de nous, à chaque fois, de se remettre en cause et toujours de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va se rapprocher du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire le rappel « وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ » Les jours d'Allah. Les jours d'Allah, par exemple, il y a le mois de Ramadan, les vertus du mois de Ramadan, on va jeûner durant ce mois de Ramadan, la dernière décade, il y a la nuit du destin. Ensuite, il y a le mois de Shawwal avec six jours de jeûne. Ensuite, il y a le mois de Dhul-Hijja, la première décade, avec neuf jours de jeûne, le jour de Arafat, l'accomplissement du Hajj, la fête de l'Idul Adha, la fête du sacrifice, le jeûne de Arafat qui efface une année passée, une année future de péché. Ensuite, donc, il y a le mois de Muharram. Après une décade, il y a un jour important, Ashura, un jeûne important. Ensuite, il y a le mois de Rabiul Awwal, on va se rappeler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le mois de Rajab, avec le Mi'raj, le mois de Sha'ban, la nuit du pain. Le mois de Muharram est appelé le mois d'Allah, Shahrullah. Afdal siyam ba'd Ramadan, Shahrullah al-Muharram. Après le mois de Ramadan, le meilleur mois où on doit faire le jeûne, c'est le mois de Muharram. Il faut savoir que dans l'époque de la Jahiliyyah, dans l'ignorance, le mois de Muharram s'appelait Safar al-Awwal. Et le mois de Safar s'appelait Safar al-Thani. Et comme Mufti Sahib a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Donc dans le calendrier, donc il y a 12 mois, et dans les 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Arba'atun hurum. Les mois sacrés, en fait, à l'époque de la Jahiliya, il y avait beaucoup de guerres entre les tribus. Toutes les tribus faisaient la guerre pendant toute l'année. Donc on avait instauré des mois sacrés, que durant ces mois-là, c'était interdit de faire la guerre. Entre autres, donc il y a 3 mois qui se suivent, Dhul Qada, Dhul Hijja, Muharram, et il y a Rajab. Donc le Safar al-Awwal, on a appelé Muharram. Ensuite il y a Safar. Et le mois de Muharram a été rajouté le nom d'Allah, Shahrullah. Shahrullah al-Muharram. Mais est-ce que nous savons tous quels sont les mois du calendrier musulman? Nous savons tous les noms. Ce matin on a posé la question aux élèves. Sur 38, il y avait un seul qui connaissait les 12. Donc Muharram. Après, ils ont dit Ramadan, parce que tout le monde connaît Ramadan. Muharram, Safar,
ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الأخرى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. Donc on essaie de mémoriser ça aussi, ça fait partie hein, de notre calendrier. On essaie aussi à la maison aussi, on essaie de parler avec les enfants, de dire voilà aujourd'hui quel jour on est. Donc on a le calendrier et on essaie donc d'inculquer ça aux enfants. Ça c'est très important d'avoir des repères. Aujourd'hui les enfants n'ont plus de repères. Donc durant ce mois de Muharram, il y a un jour historique. Un jour extraordinaire. Et ce jour-là était connu depuis très longtemps. Bien avant la venue de l'islam, les gens donnaient une grande importance à ce jour de Ashura. Il est dit que les Quraysh de Makka, les mouchriquins, les idolâtres, ils se demandaient, pour se faire pardonner un péché, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Fasa'aluhu ma tawbatuhum qila yawm Ashura. Donc il fallait jeûner ce jour de Ashura pour se faire pardonner. Donc depuis longtemps, il y avait cette manière de faire là. Lorsque le prophète, donc, il y a eu la prophétie, donc lui-même, il jeûnait aussi déjà ce jour de Ashura à Mecca. Il est dit ce jour-là, il s'est passé beaucoup d'événements. Entre autres, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté le tawbah de Adam alayhi salam, où Nuh alayhi salam donc a été sauvé. Donc il y a eu le déluge. Ensuite, c'est le jour où son bateau s'est arrêté sur le Moudjoudi après 40 jours. Et c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon. Le tawbah de Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, pour un oubli, il a été retiré du paradis, emmené sur la terre, et il est dit que pendant 40 jours, dans d'autres versions, voire des années, il est resté en sajda pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, pour un oubli. Il ne trouvait pas les mots. Qu'est-ce qu'il fallait demander? Comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré les paroles. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et le jour où il a dit cela, c'était un 10 Muharram. Nuh alayhi salam a été délivré. Nuh alayhi salam, pendant 900 années, il a fait la da'wah. Toutes les manières qui peuvent exister, par les signes, individuellement, en groupe, toutes sortes de manières qu'il peut faire, il a fait. 900 années de da'wah. Il a vécu environ 1300 années, mais 900 années de da'wah. Combien de personnes ont accepté son message? Entre 10 et 80 personnes. La guider, c'est Allah Ta'ala qui donne l'effort, on doit le faire. Donc, il y a eu le déluge pendant 40 jours, et le jour où cela s'est arrêté, c'était le 10 Muharram. Et comme nous savons, le plus c'est où le jour où Moussa alayhi salam a été donc délivré. Donc là, nous voyons, quand on lit ces récits-là, on doit se rappeler, on doit faire le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar, qui veut dire le très contraignant, dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous oblige à faire les bonnes actions. Comment il nous oblige à faire les bonnes actions? En mettant en place justement ces saisons, ces moments-là, pour faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ces moments-là, donc, on se sent obligé de faire les bonnes actions, et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner le paradis, c'est pour cela qu'il nous incite. Allah subhanahu wa ta'ala est At-Tawwab, accueillant au repentir. Il est Ar-Ghaffar, en permanence, il va pardonner. Il est An-Nasir, celui qui donne la victoire. L'histoire de Moussa alayhi salam, on va plus se focaliser là-dessus ce soir. Moussa alayhi salam qui a été délivré et son peuple donc du joug de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa alayhi salam, déjà cité plus de 70 fois dans le Coran, dans 28 juz, 28 sipara. Et le lien avec nous de Moussa alayhi salam, c'est lors du Miraj. Moussa alayhi salam, il a été venu au prophète. Pour le prophète salam, pour diminuer les soins là. Il y avait 50 soins là. C'est Moussa qui disait, mon peuple, vous ne pouvez pas faire ça, ton peuple il va faire ça. Non, demande
de diminuer, diminuer jusqu'à qu'arrive 5. Il a dit, demande encore. Il a dit non. Le prophète a dit non. S'il me demande encore, quoi va rester? Moussa alayhi salam, le prophète disait que ça c'est mon frère. Et le lien, donc le prophète il s'est marié avec une égyptienne, la copte, Maria, pour avoir ce lien-là, toujours avec Moussa alayhi salam. Donc le peuple de Moussa alayhi salam, les Banu Israël, les fils d'Israël. C'est qui les Banu Israël? L'origine c'est donc Ibrahim alayhi salam. Ensuite il y a Ismaïl alayhi salam, Ishaq, donc il y a Yaqub. Et nous savons tous l'histoire de Youssouf alayhi salam, de fils de Yaqub, qui est parti en Égypte, etc. Donc, ils sont restés en Égypte. Donc, les fils, les qu'on appelle les 12 tribus, donc c'est parmi les 12 frères, les 12 enfants, donc de Yaqub alayhi salam, donc ils sont restés en Égypte. Donc, beaucoup plus tard, après, ils étaient venus esclaves de Pharaon pendant 400 années. 400 années d'abus. Pharaon. Donc il en profite pour construire ses pyramides. Et un jour il fait un rêve. Le rêve de Pharaon c'est quoi? C'est que une personne, un enfant, une personne des Banu Israël, il va venir me détrôner et il va m'anéantir. Donc il fait part de ce rêve-là. Et là donc, qu'est-ce qu'elle décide? Il a peur. Il se disait, na'oudhou billah, qu'il est le Dieu. Mais là il a peur d'un enfant, d'un rêve. Il a peur d'un rêve. Qu'est-ce qu'il dit? Prend la décision de tuer à partir d'aujourd'hui tous les bébés garçons mâles qui naissent, de les exterminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le fleuve, le Nil a été devenu en sang. Les hommes, les mères avaient peur lorsqu'ils donnaient naissance, c'était un garçon et une fille. Ensuite, les ministres disaient, ben, si vous ça tuez toute bonne garçon, ben, qui ça va être nos esclaves là? N'aura plus d'esclaves aussi avant nous. Il faut garder un peu. Alors, il décide de un an va sauver, on ne va pas tuer, un an va tuer. Il est dit que l'année où on ne tuait pas les enfants, Haroun alayhi salam, il est né. Le frère de Moussa alayhi salam. Et l'année suivante, où on tuait les enfants, Moussa alayhi salam, il est né. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, Al-Khaliq, c'est lui qui fait tout. Des épreuves, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon, il prend toutes les précautions pour que cela ne réalise pas, mais la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala est autre. Moussa alayhi salam, il vient de naître, les soldats arrivent pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Allah subhanahu wa ta'ala demande le cœur de la mère de Moussa alayhi salam, n'aie pas peur, mets ton fils dans un panier, laissez-le sur le Nil, sur le fleuve. C'est moi qui va guider. Et n'aie pas peur, tu vas retrouver ton fils aussi. Cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapidement, la mère de Moussa alayhi salam et Moussa alayhi salam, un nourrisson, dans le caisson va sur le Nil, entre les crocodiles, entre les vagues. La sœur de Moussa alayhi salam va suivre Moussa alayhi salam. Et où il atterrit près du palais de Pharaon. La femme de Pharaon est en train de prendre un bain avec d'autres personnes. Et là, il voit qu'il arrive une caisse. Il regarde dedans, c'est un enfant, un bébé, innocent. Il décide de le garder. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Tout pour détruire. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grandir cet enfant dans ce palais-là. Le palais de Pharaon. Il va manger sa nourriture, il va mettre ses vêtements, il va utiliser tout. Ensuite, donc on part rapidement, il n'y aura pas le temps de tout détailler. Il y a eu un incident lorsqu'il a atteint l'âge de 18-20 ans. Un incident, c'était quoi? C'est qu'il a voulu protéger un des siens. Et en protégeant, Moussa alayhi salam avait beaucoup de force. En protégeant, il a poussé ce soldat-là qui a trouvé la mort. Ensuite, il a quitté l'Égypte. Comme ça, il va partir, il va quitter. Il ne va rien amener avec lui. Il va marcher, marcher, marcher jusqu'à arriver à Madian, très loin. Il va arriver là-bas où Shu'aib alayhi salam, donc, il se trouve, un autre prophète. Et là-bas, donc, il va rester là-bas, il va se marier, et ensuite il va décider de retourner en Égypte pour sauver son peuple. En route, durant une nuit, il va devenir prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, Moussa alayhi salam va voir le feu, quelque chose lumineux, il va aller voir pour avoir un peu de chaleur. Et là, donc, il va voir un arbre
avec une lumière, et là, il va entendre une voix qui dit « Inni anallah, fakhlana alayk, innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, fastami' lima yuh. » Allah subhanahu va parler avec Moussa alayhi salam. Tu donnes vallée bénie, enlève tes sandales. On va te donner la révélation. Tu vas devenir prophète. Et pour sauver ton peuple, comme au temps de Moussa alayhi salam, c'était la magie, la sorcellerie, la magie donc, qui était répandue. On a donné à Moussa alayhi salam deux miracles. Son bâton qui se transformait en serpent et sa main qui devenait lumineuse. Donc rapidement, il retourne, il retrouve sa famille. Ensuite, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de rencontrer Pharaon, que son frère l'accompagne, Haroun. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit prophète. Allah subhanahu wa ta'ala accepte la demande de Moussa alayhi salam. Les deux, donc, ils arrivent devant Pharaon. Pharaon reconnaît Moussa alayhi salam, Haroun alayhi salam. Et là, Moussa alayhi salam, il dit, bon, Pharaon dit, ben, qu'est-ce que tu es venu faire là, après toutes ces années? Et là, il dit, ben, je suis venu reprendre mon peuple et on va partir. Il dit, ah bon? Comme ça? Oui. Il dit, bon, ben, qu'est-ce que tu as de... Quel pouvoir tu as pour me convaincre? Et c'est là, donc, il jette son bâton qui vient un serpent et tout le monde a peur. Il reprend son bâton. Et là, Pharaon dit, bon, on va faire un duel. Mes sorciers contre toi, tel jour, vers 10h, tout le monde s'est réuni. Celui qui va gagner, c'est lui qui va décider. Il accepte. Il réunit les meilleurs sorciers du pays, 40 sorciers sur un podium contre Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam dit à ses sorciers, commencez. Ils jettent leur corde qui se transforme en serpent. Moussa alayhi salam, il a peur, mais Allah ta'ala lui donne confiance. Il dit, voilà, jette ton bâton. Quand est-ce qu'il jette son bâton, il se transforme en serpent, de suite, qui avale, qui dévore tous les autres. Quand il y a vérité, quand il y a la fausseté, celui qui est dans la fausseté, lorsqu'il voit la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les 40 sorciers, lorsqu'ils voient ça, ils tombent en sajda. Ils tombent en sajda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on va apporter iman. On n'apporte iman sur le Dieu de Moussa alayhi salam. Alors Pharaon dit, ben, pourquoi ça tu fais là? Il faut attendre mon ordre pour faire quelque chose. Il dit, nous on ne t'écoute plus. Il dit, si vous ne retournez pas, je vais vous crucifier. De telle façon qu'on va vous mettre sur des arbres au début de, en entrée de la ville, on va vous couper un bras et un pied. Il dit, faites ce que vous voulez. Nous on a iman. On était dans la fausseté, on connaît c'est quoi le faux. On a vu le vrai, ça c'est divin. Et c'est, ils étaient contre l'islam, ils sont entrés dans l'islam, ils ont été martyrs. Ensuite, Moussa alayhi salam, il dit, bon maintenant, j'ai gagné, mais il faut partir. Pharaon dit, non, c'est pas comme ça. Vous restez là. Moussa alayhi salam, il patiente. La patience, et après il y a, donc on va faire un peu rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il envoie des épreuves. On voit la disette. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Épreuve après épreuve contre Pharaon. Allah Ta'ala va envoyer un tufan, l'inondation. وَالْجَرَادَ, les sauterelles vont tout dévaster. وَالْقُمَّلَ, des poux. وَالضَّفَادِعَ, des grenouilles. Il y aura des grenouilles partout. Il rouvre la marmite, il y a des grenouilles. Il rouvre le lit, il y a des grenouilles. Il mordonne chemin, grenouilles partout. Incroyable. Et à la fin, waddam, le sang. Lorsque les Banu Israël, lorsqu'ils boivent de l'eau, c'est de l'eau. Et lorsque le peuple de Pharaon boit de l'eau, c'est du sang. Il va se baigner, de l'eau transformée en sang. Le même eau, Banu Israël boit, c'est de l'eau. Ça, c'était le pire. Et à chaque fois qu'il y a une calamité, ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. À chaque fois Pharaon dit, Moussa alayhi salam, demande à ton Seigneur d'enlever cette calamité, cette souffrance là.
Si il enlève ça, nous on va porter iman et on va te laisser partir. Mais à chaque fois, il revient sur sa décision. Mais à la fin, l'épreuve du sang, c'était trop difficile. C'est là que Moussa alayhi salam, il a décidé, il envoie une délégation à voir Pharaon. Il a dit que voilà, demain c'est notre jour de fête pour les Banu Israël. Et notre jour de fête, on ne peut pas le passer à l'endroit où on travaille. Il faut qu'on quitte la ville. Alors contre que Pharaon, il ne veut pas. Mais en même temps, il dit, mais si je refuse, il y aura d'autres calamités encore. On va les laisser un jour comme ça. En fait, c'était une ruse. Moussa alayhi salam, donc avec wa awhayna ila Moussa an asri bi ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait révélation à Moussa alayhi salam que durant la nuit tu vas partir avec mes serviteurs, avec tout ton peuple. Il faut partir durant la nuit parce qu'après ils vont venir. Donc le soir, il dit qu'ils étaient environ 600 000. Avec les animaux, la nourriture, tout ce qu'ils pouvaient emporter, ils sont partis. Le lendemain, c'est l'armée qui fait réveiller Pharaon. L'armée fait réveiller. Lève, il n'y a plus personne. Ah, oui, non, ben, ils sont partis. J'ai donné autorisation. Non, il n'y a plus personne. Même l'endroit où il faut faire la fête, il n'y a plus personne. Fa'arsala Pharaon fil madain hashirin. Donc, il a envoyé des gens rassembler. S'il y a des personnes, il n'y avait plus personne. Et là donc, il a pris une journée pour rassembler tout son armée pour aller combattre Moussa alayhi salam. Environ 1 million à 2 millions de soldats bien armés. Et un jour après, donc, il est parti à la poursuite du peuple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, donc, ils ont commencé l'émigration durant la nuit, mais les personnes, c'était des personnes âgées. C'était des personnes qui étaient apeurées. C'était des personnes qui étaient traumatisé, c'était pas des combattants. Alors Pharaon, donc le plus grand tyran de l'époque, lui donc il a pris son cheval et il était devant. Alors Moussa alayhi salam, il a fait l'émigration et il est arrivé à un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'arriver. Donc il a marché, il est arrivé et فَأَتْبَعُوا مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ. C'est-à-dire, lorsque le pas de Moussa alayhi salam commençait à partir, là, ils ont vu qu'il y a de la poussière de loin, au loin là-bas. En fait, c'était toute l'armée qui avançait, et ils commençaient à avoir peur. Ils disaient, Moussa alayhi salam, où on va partir? Ils arrivent là. فَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى فَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Ils vont nous rattraper. Il n'y a aucune issue là. Alors, ils avancent. Il y a la responsabilité de Moussa alayhi salam, le tawhid. Il va quitter le royaume. Il n'y a que les personnes qui ont accepté le message de Moussa alayhi salam. S'ils vont être exterminés, il n'y aura plus personne sur la terre qui vont faire louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans les moments d'épreuve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste notre relation avec lui, notre iman. Prophète sallallahu alayhi salam, lors de l'immigration, dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala a testé le iman. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a été égorgé, on l'a ordonné donc d'égorger son fils, Allah subhanahu wa ta'ala a testé son iman. Moussa alayhi salam, il a fui Pharaon, arrive devant la mer Rouge. Alors, est-ce qu'on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là? Est-ce qu'on a réellement croyance en l'invisible lorsqu'il y a une difficulté? Moussa alayhi salam, il est apaisé. Les a-t-il na mudrakun? Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, inna kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Jamais ils vont nous rattraper. Pourquoi? Inna ma'ya rabbi, mon Seigneur est avec moi, mon Rab, celui qui pourvoit tous mes besoins, le roi des rois, le créateur, il est avec moi. Lorsqu'il est avec moi, rien ne peut m'arriver. Comme femme de Ibrahim alayhi salam, Hajara, lorsqu'ils étaient dans le désert, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de nous laisser ici? Il a dit à Ibrahim. Ibrahim dit oui. Pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ça, c'est qu'il veut du bien pour nous. Donc il y a Moussa alayhi salam, Harun alayhi salam, Yusha alayhi salam, qui est le neveu, les croyants, al-mu'min de Ali Firaoun. Et là,
lorsqu'il y a la droiture, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mise en pratique de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans tricher, sans tromper, il y a l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile sa puissance par son nom Al-Fattah. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre quelque chose que personne ne peut ouvrir. La porte du pardon. Lorsqu'on rentre dans la masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, les portes de la miséricorde. Après des épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ya Fattah, ouvre-moi les portes de ta bénédiction, ouvre-moi les portes de la réussite. Moussa alayhi salam s'approche de la mer, hahuma umir, c'est ici que j'ai été ordonné d'arriver. Donc, ils ont commencé à essayer de traverser, ils ne pouvaient pas. Fa'auhayna ila Moussa an adrib bi'asaka al-bahr. On a ordonné à Moussa alayhi salam de prendre ce bâton et de frapper la mer. Fanfalaqa fa kana kullu fighin kat-tawd al-'azim. La mer s'est scindée en deux. Et de chaque côté, c'était comme des montagnes, kat-tawd al-'azim, des montagnes énormes. C'était comme si on avait mis des vitres comme ça et on a ouvert un chemin assez large pour que les 600 000 personnes peuvent passer. C'était un manzar extraordinaire. C'était un spectacle extraordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a fait sécher l'endroit et le peuple de Moussa alayhi salam commençait à traverser. À la fin donc du parcours, de l'autre côté, il y a donc la mer qui était un obstacle, qui était un ennemi, il devient un ami, il devient un moyen de secours. Pareil au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Suraqa ibn Malik, il a rattrapé le prophète lors de l'émigration, il a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il était paralysé, il a demandé secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, mais à condition que tu gardes le secret, que tu ne dis pas où on est parti. Il a dit oui, mais il a dit que je suis venu vous tuer parce que vous avez promis 100 chameaux, donc j'ai besoin d'argent, donne-moi quelque chose. Donc là il avait écrit un papier que tu auras les bracelets de l'empereur perse en or, si tu es d'accord. Donc on a donné le papier, il est parti et Suraqa ibn Malik, il a rien dit. Et quand est-ce que s'est réalisée la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au temps de Omar radiallahu anhu. Très longtemps après, lorsque Omar radiallahu anhu a fait l'ouverture de Perse et lorsqu'il a eu le trésor devant lui, il a vu les bracelets de Perse, il a pleuré. Il a dit que, parole véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, appelez Suraqa, il doit être encore là. Il est âgé. Il arrive, il dit voilà. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, voilà les bracelets de Perse. Et là, Suraqa a pleuré, il a dit que c'est vrai, c'est voilà le papier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y avait écrit. Lorsqu'on met en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moussa alayhi salam, il arrive de l'autre côté, et là il veut fermer, il veut frapper la mer pour refermer. Et là on dit, utrukul bahra rahwa, laisse comme ça un instant. Laisse l'armée de Pharaon rentrer. Mais le cheval de Pharaon ne voulait pas, il avait peur, les chevaux, ils ressentent le danger. Mais lorsqu'ils ont vu Jibril alayhi salam descendre sur son cheval, il allait s'approcher, donc le cheval de Pharaon a commencé à partir. Le cheval de Pharaon parle, l'armée de Pharaon entre. Et lorsqu'ils sont au milieu, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de refermer la mer, et là ils étaient tous engloutis. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas terminé. Pharaon, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit? Hatta idha adrakahu al-gharq, il est en train de se noyer. Qala, qu'est-ce qu'il dit? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min al-muslimin. Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il n'y a d'autre divinité à part que le Dieu de banu Israil et je suis un homme des soumis. Là, il veut devenir musulman. Al-an, waqad asayta qablakum ta min al-mufsidin. C'est maintenant que tu veux devenir musulman, à quoi tu as fait corrompu. Jibril alayhi salam, il dit au prophète sallallahu alayhi salam que si tu me voyais ce jour-là, lorsque Pharaon il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, j'ai pris de la boue et j'ai mis dans sa bouche. Pour qu'il ne parle plus. Pourquoi? Parce que tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahim,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est le très miséricordieux, mais il va pardonner à Pharaon. Tellement la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu est énorme, il englobe tout. Jibril al-Salam connaît la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est énorme, même Pharaon, Allah peut le pardonner, donc après tout ce qu'il a fait, j'ai mis de la boue et il était englouti. Donc, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, il a gardé le jeûne. Il a ordonné à son peuple de garder le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi salam, il arrive à Madina Munawwara, il a remarqué que les juifs ils gardent le jeûne aussi, comme à Makkah, les idolâtres de Makkah gardent le jeûne le 10, à Madina, les juifs gardent le 10 aussi. Parti demander, le jeûne c'est quelque chose d'important, pourquoi vous gardez le jeûne? Ils ont répondu, هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. Que Moussa alayhi salam, notre prophète, il a gardé le jeûne parce qu'il a été délivré, donc nous gardons le jeûne en remerciement. Le prophète alayhi salam, je lui dis, je suis en comparaison avec vous le mieux placé pour observer une pratique de Moussa alayhi salam. Il a ordonné ceux qui ont jeûné depuis ce matin qu'ils gardent le jeûne, et ceux qui ont mangé, donc qu'ils gardent le jeûne jusqu'à le soir, et même inciter les enfants à garder le jeûne s'ils se plaignent qu'ils ont faim, de donner des jouets. Et depuis ce jour-là, donc c'était première année de l'Hégire, c'était obligatoire. Ensuite, en l'an 2 de l'Hégire, lorsque le mois de Ramadan est devenu obligatoire, donc c'est devenu conseillé de garder le jeûne le jour de Ashura. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour de Ashura? Donc la nuit, ce n'est pas une grande nuit, mais le jour, c'est un grand jour. Demain, c'est un grand jour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il a gardé le jeûne. Pendant les 9 années qui restaient, il a gardé le 10, Muharram. Et le dernier jour, la dernière année, il avait dit que si Allah subhanahu nous donne vie, je vais garder le 9 avec, 2 jours. Donc les ulama, ils conseillent, donc la meilleure façon, donc c'est comme Ibn Sirin, Ibn Ishaq, eux, ils gardaient 3 jours même. Le 9, le 10 et le 11. Parce qu'ils avaient peur, tellement ils étaient soucieux que on veut avoir ce jour-là en tant que jeûne, donc pour ne pas rater, je ne sais pas, donc de garder les 3 jours. Sinon, on garde le 9 et le 10. Donc aujourd'hui avec demain. Ou bien le 10 et le 11. Et si vraiment c'est difficile, ben on garde le 10. Mais c'est meilleur de faire comme le prophète Samuel avait envie de le faire. Récompense, une année de péché, petit péché de l'année passée est effacée. Et en comparaison avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a eu? Il est le jour de Arafat. Et Moussa alayhi salam, c'est le jour de Ashura. Là, on voit la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Moussa alayhi salam, parce que le jour de Arafat, lorsqu'on garde le jeûne, c'est 2 années de péché effacées. L'année passée et l'année future. Et le jour de Ashura, c'est une année passée. Donc, mes chers frères, nous avons vu la récompense, nous avons vu donc toute l'historique. À chaque fois, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il faut être patient. Il faut être constant, avoir istiqama de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments où on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est au début de l'année. Et le prophète sallam, il a une autre chose qu'il a ordonné, que en ce jour de Ashura, de faire preuve de largesse pour sa famille. Man wasa'a ala 'iyali yawm Ashura wasa'a Allahu 'alayhi as-sana kullaha. Donc celui qui fait preuve de largesse le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de largesse sur lui donc durant toute l'année, donc soit en faisant donc c'est pas un jour de fête. Le jour de Ashura, c'est pas un jour de fête, parce que le jour de fête, c'est interdit de jeûner. Mais c'est un jour important, donc on fait un grand iftar, on bien ceux qui peuvent pas jeûner, donc on fait un repas aussi, et on peut donner donc un des présents donc aux enfants aussi. Mais ça, c'est pour nous inciter à faire durant toute l'année. On va réunir la famille, mais comme c'est au début de l'année, on prend cette habitude-là, donc durant toute l'année, on le fait. On essaie de garder le jeûne le lundi et le jeudi, les 3 jours de la pleine lune. Comme ça, donc, on essaie de faire durant toute l'année. Et donc, on essaie donc de, comme... Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a fait, on essaie de faire aussi. Les leçons à tirer pour terminer,
ce jour de Ashura, donc c'est un grand jour, c'est le jour où le peuple de Moussa a été libéré, où le repas entier a été accepté. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là? On doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, comment réagir? Il y a l'épreuve, patience, retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, pratique de dîn durant toute la vie, confiance, tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, istiqama, être satisfait dans la situation dans laquelle on est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il envoie son aide. Méditer sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est Al-Adil, qu'il est Al-Rahman, qu'il est Al-Rahim, qu'il est Al-Fattah, qu'il est Al-Rab, qu'il est Al-Malik, et de prendre, comme avait dit la dernière fois, d'augmenter notre douceur de iman, notre niveau de iman durant toute l'année, en mettant en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en pratique dans la maison même, parce que les enfants nous observent. Si on ne fait pas la salah, les enfants ne font pas la salah. Même hier, l'année dernière, une fille de 14 ans, ils ne savaient pas faire la salah. Pourquoi? La maison ne fait pas. Ils avaient honte. Lorsqu'on faisait les exercices pour faire la salah, elle disait non, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire, je suis indisposé. Mais en fait, elle ne voulait pas parce qu'elle ne savait pas. Et là, on a incité. Parce que les parents ne font pas, mais les enfants ne font pas. Donc, comme ça, on essaie d'instaurer le ta'lim, on essaie d'instaurer la salah, la lecture du Coran dans la maison, et les enfants vont suivre, inshallah. Donc, je fais doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte quelques paroles. On fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'il nous pardonne. Donc, on a été peut-être un petit peu long aussi, mais comme quelqu'un disait, mais ça, soit on fait long là. Je dis pourquoi? Je dis parce que je disais, il reste 2 heures de temps devant un match de football. Et ici, moins d'une mi-temps. Ici, on a le paradis. De l'autre côté, on ne sait pas. Donc, on a fait, peut-être j'étais un peu long, je ne sais pas, donc de m'excuser. Mais le temps qu'on a resté là, peut-être c'est ça même qui va nous faire entrer dans le paradis. Amin. Parce que les anges font doigt pour nous tant qu'on est dans cette assemblée-là. Donc, on va terminer par le doigt. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Il accepte quelques paroles et nous permet donc de mettre en pratique, de jeûner et durant toute l'année de faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de donner une bonne éducation à nos enfants. Amin. Rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah.